C'est triste, mais on doit vous le dire aujourd'hui. La majorité des nouveaux créateurs qui vont se lancer sur YouTube n'auront plus la possibilité de valider leur compte avec leur identité pour avoir le numéro de vérification. Voilà ce dont je parle. Vous allez voir que vous pouvez beau mettre votre numéro pour valider, mais ça n'avait jamais marché comme message ni appel. Pourquoi est-ce que tout cela se passe? D'abord, je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous pouvez mettre une miniature sur votre vidéo. Mais sachez que pour mettre une miniature sur votre vidéo, vous devez d'abord valider votre identité. Je vais vous montrer le processus de A à Z. Voilà, on prend un exemple comme ça sur ma chaîne. Voilà, je vais cliquer sur le bouton publier une vidéo ou mettre une vidéo en ligne. Une fois que je clique sur les vidéos, ça apparaît comme ceci. Je sélectionne une vidéo de mon choix. Donc, je sélectionne cette vidéo pour mettre sur YouTube. Une fois que j'ai sélectionné la vidéo pour la mettre sur YouTube, je clique sur le bouton suivant. Voilà. Une fois que la vidéo apparaît comme ça, ce n'est pas la miniature. Je dois cliquer sur le crayon en haut, dans l'angle, à côté d'orange là-bas, pour mettre maintenant une miniature. Quand vous cliquez, on vous dit valider votre compte. Ajouter, avant d'ajouter une miniature personnalisée à votre vidéo, vous devez valider votre identité. Donc, vous venez vous cliquer sur valider, tout juste en bas, ok, pour pouvoir valider votre identité. Suivez un peu la vidéo. Nous avons dit auparavant que chacun doit créer une chaîne YouTube, mais beaucoup ont négligé. Maintenant, si tu veux te lancer d'aujourd'hui avec une chaîne YouTube, c'est que tu auras des difficultés. Tu ne pourras plus mettre des miniatures et tes vidéos n'ont pas assez de vues. Parce que sans la miniature, ta vidéo n'aura pas de vues. Donc, chez moi, ici, quand ça apparaît, je sélectionne mon pays et maintenant je mets le numéro. Okay? Vous devez mettre votre vrai numéro. Soit s'il y a une personne à côté, mettez aussi son numéro pour qu'on envoie le code et vous allez pouvoir valider. Donc, je vais le faire pour que vous allez bien voir qu'est-ce que j'ai dit. Ce n'est pas du mensonge. Donc, tous ces numéros que j'ai mis, c'est... Donc, je mets ce numéro. Non, ce numéro, je l'ai déjà utilisé pour une chaîne. Je sais plus. Là, je mets ce numéro d'une personne. Et là, je clique sur la partie messagerie. OK, pour qu'on puisse m'envoyer le message par... on puisse m'envoyer le code par la messagerie. OK. Donc, je vais cliquer là pour qu'on puisse m'envoyer le message. Voilà. Quand j'ai cliqué, qu'est-ce qu'on a dit ici? Que le problème est survenu lors de l'envoi. Le code de validation, on a donné le numéro, saisir un autre téléphone. Or, le numéro-ci n'a jamais été identifié. Nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que ce problème se passe. Si actuellement tu es dans ton pays et que tu as la possibilité de valider, je te prie de créer ta chaîne YouTube, même si tu ne peux pas publier pour le moment, crée et valide ta chaîne YouTube en attendant te programmer un jour et te lancer sur YouTube. Voilà, c'est le même problème qui continue. J'ai changé, même j'ai mis l'indice de mon pays et c'est toujours pareil. Voilà, ceux qui vivent dans des pays où maintenant, ils ont la possibilité de le faire, faites-le. Vous avez, j'ai choisi même appel, ça ne vient toujours pas. Vous comprenez? Mais chez nous ici, ça ne marche non plus. Ça ne marche non plus. Donc, si vous avez la possibilité, faites-le. Ce n'est même pas au Togo parce que ceux qui m'ont contacté, ce n'est même pas seulement les Togolais qui m'ont contacté. D'autres personnes aussi m'ont contacté. D'autres de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et autres, ils ont contacté. Et ça ne marche pas. Donc, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Mais je vais chercher une solution pour remédier à ce problème. Pour que chacun parmi vous, ceux qui ont des chaînes YouTube qu'ils ont créées tout récemment, puissent valider et mettre des miniatures personnalisées sur leurs vidéos. Alors, on se dit à la prochaine vidéo et bye bye.